Bonjour. Ce matin, je vous retrouve pour L'Œil du Maire, ma chronique visuelle et esthétique de Paris. L'autre jour, j'étais déjà dans la rue au moment où les réverbères qui éclairent nos nuits se sont éteints. J'aime ces moments entre chien et loup quand les nuits s'allongent. J'aime ce sentiment d'assister à un spectacle caché, comme lorsqu'on aperçoit encore la lune alors que le soleil est déjà levé. En ce moment où l'hiver arrive et l'automne épuise ses dernières couleurs dans le rétrécissement des jours, que l'obscurité croissante vient habiller nos paysages urbains, les lumières de la ville animent de leur scintillement l'esprit de fête qui vient réchauffer la fin d'année. Hier soir, bercé par la voix de la chanteuse Joyce Jonathan, nous avons illuminé la façade de ma mairie de petits flocons de neige. Les fêtes de Noël arrivent bientôt et ce soir, c'est la première bougie de Hanouka qui sera allumée dans de nombreux foyers, avec une bougie de plus chaque jour pendant 8 jours. Cette semaine, j'ai surpris tôt le matin une équipe d'agents de la ville en train d'installer les sapins et leurs illuminations devant une école. J'ai eu le temps de dégainer mon téléphone et de les immortaliser dans la semi-pénombre, tels des gentils lutins au service des enfants. Nous entrons en effet dans ces jours de clair-obscur propices aux créatures mythiques, elfes, follets ou lutins, ces êtres malicieux, légendaires et bienveillants qui la nuit nous préparent des surprises. À l'approche des fêtes, la ville se métamorphose pour revêtir guirlandes, décorations, éclairages mirifiques et saupoudrer nos quotidiens de féerie. Alors je pense à tous les magiciens de l'ombre qui œuvrent secrètement à cette période et toute l'année pour faire en sorte que la ville, à l'image d'un immense spectacle à orchestrer et mettre en scène, huile tous ses outils, telle une menorah, pour un fonctionnement millimétré. J'avais consacré ma dernière chronique aux costumes de super-héros que j'aime immortaliser dans la rue, sur des enfants ou des adultes intrépides. Ces super-héros au pouvoir extraordinaire. J'aimerais parler aujourd'hui d'autres super-héros, ceux du quotidien, souvent invisibles, mais dont les actions concrètes sont au service d'un bien collectif. Eux aussi, ils portent souvent des costumes particuliers, souvent moins bariolés que les super-héros de Marvel. Ces héros invisibles aux tenues discrètes, on les a un peu redécouverts au moment du Covid. Ils étaient parfois seuls, dehors, et déjà je les prenais en photo. Ils ont même été chantés par les plus grands. En 2020, Jean-Jacques Goldman, sorti de son silence, avait repris son titre mythique « Il changeait la vie » pour remercier tous les soignants et les personnes qui s'étaient dévouées pendant la crise Covid pour sauver des vies. Il changeait la vie, ce titre, Jean-Jacques Goldman l'avait d'abord chanté en 1988 pour rendre hommage aux cordonniers, aux professeurs et même au tout petit bonhomme qui pleurait sur son saxophone. Chacun contribue à sa façon à donner quelque chose de lui aux autres, à la société, et participe à son illumination. Je repense aussi à Stromae qui chantait dans Santé. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Ce sont les mêmes héros du quotidien que Soprano chantait en 2018. À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. Alors moi aussi, je voudrais leur dire merci et profiter de cette chronique, comme je le fais par mes photos, que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram, pour rendre hommage à tous ces travailleurs de l'ombre qui, dans leur fonction, agissent au quotidien au service des autres et du bien commun. Ils font de Paris la fourmilière active et organisée qui permet à 2 millions d'habitants et autant de visiteurs du monde entier de se déplacer et de vivre en sécurité. Je pense à nos forces de sécurité, à nos gardiens de la paix, notre garde républicaine, nos pompiers, mais aussi tous ceux qui veillent sur les plus vulnérables ou qui entretiennent la voirie, les squares et les jardins, nos bâtiments et nos monuments. Je pense aux maîtres du temps qui règlent nos horloges et à tous ceux qui réchauffent les nuits froides à la flamme de leurs chalumeaux. Éclairer ces travailleurs de l'ombre, c'est révéler les différents maillons qui organisent et structurent la communauté. C'est le contrat social implicite pensé par Rousseau qui fait passer le lien naturel familial à un stade politique de communauté. Dans ces temps de fête, il est important de reconnaître ceux qui contribuent à maintenir nos sociétés à la fois bien huilées et lumineuses. Ce sont eux qui font le lien pour que la communauté fasse famille, et c'est cette notion de famille qui fera l'objet de ma prochaine chronique. En attendant, même si on n'a pas nécessairement le cœur à ça, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je repense à ce Noël passé l'an dernier à Yafo, au milieu du quartier arabe d'Ajami, avec le son du muezzin toutes les 2 heures et la procession de Noël de l'église voisine. Et tous mes amis israéliens, juifs, arabes, chrétiens, le plus souvent athées, ravis de cette féerie. Que ces temps de concorde reviennent vite. À bientôt.